lesquels ont considération Allah subhanahu wa ta'ala. Les terres, dans lui-même, comme il dit, étant un organe de l'ego, nous connaissons qui, sur l'importance, y est découvert dans les cours du sacré divin. C'est un apôtre, c'est un, comment dire, un apôtre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient mettre dans l'ego. Et ça, l'accomplant, ce n'est pas en naissance qu'il commence à bâtir, mais même avant une naissance, même avant qu'il nous l'amène, nous figure, qu'il commence à former devant de nous. Et encore, un simple, il a dit comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant nous de l'âme, un simple caillou distant, un simple ancien qui aidait, la bonne ancienne, mais nous dire qu'il connaît. Et même s'il y a une personne, sous madame ou votre famille, même sous nous, il est capable d'attendre, qui, à l'église, là, il commence à vivre. Et qui connaît, ça l'église, là, il commence à vivre dans les cours de sa maman qui fait sortir dans sa bébé-là. Et il continue, c'est ça qui décrète l'amour de sa personne. Et la personne qui peut vivre 60, 70, et la peut vivre 30 ans, 40 ans, 100 ans, ça veut dire là, il reste parti. Et ce fonction. Et quand il est là, il parti, il est pompé, il pompe 10 ans. Disant ce qu'il y a dans l'ego à une personne, regardez, un écrire comment dans une étude, c'est qu'il bat un médecin, je sais, c'est-à-dire qu'un écrire, il bat à peu près 60 gouttes à 100 gouttes en minute. Et par jour, un écrire, il bat à peu près 100 000 gouttes. Hein? 100 000 fois, un écrire, il bat. Et ça, l'écrire-là, il reste. Les mêmes qui continuent. Il y a un musée concernant l'équerre, ce fonction, il y en a beaucoup. Mais nous, ne pouvons pas se voir ça comme une position juste pour montrer nous. Parce que nous, musulmans, nous connaissons très bien. Et nous l'avons la terre, nous l'avons la terre. L'idée n'a pas l'importance là. Si nous pas fait très pour nous pour la vie c'est qu'il y a dans l'Akhirat. Et nous la vie, l'Akhirat est plus important pour un mouvement. Donc ça la vie c'est qu'il est vivant, c'est un avis c'est qu'il est fini. Ça la vie là c'est mal vivre ça la vie là. Il vit de désobéissance, de haram. Sa personne là, vraie la vie c'est qu'il y a dans l'Akhirat. Il n'est pas fou, il n'est pas pour l'étude, oui. Au monde, il faut bien payer dans le Jahannam. Et si une personne, quand il réalise tout là, il réalise que si on a un organe qui a dans son canon pour être là, il ne nous a pas fait le guérir. Ça, le guérir là, pour nous la vie, comment il y a un bout de temps? Pour nous suivre la terre, qui cause ça? Ça marche bien, ça la pompe là, il y a un bout de temps. Et du moment qu'il y a arrivé, ce n'est pas une réponse qui ouvrait la pompe d'eau, si vous avez tout le temps, on sait non. C'est quand il est arrivé, il finit. La vie d'une femme finit. Il va pouvoir pas faire, il va pouvoir faire une bonne action après que ça lui ait été arrêté, après qu'il ait fini, qu'il tourne y aller. Ça, c'est l'équerre. Pour tout l'humanité, nous connaissons, au sein du point de vue du guerre dans la l'équerre, il y a un haka. Une dernière qui se connaît, c'est pour les civils, pour les points d'un tracas. Qui tracas peut gagner? C'est ça, les guerres, la fois, fonctionne bien. Avec d'autres malades, les autres banques organes, d'autres malades, pas pour fonctionner comme disait dans ce niveau. Et tout ça là, qui fait rien faire parce que c'est l'amour qui fait attendre. Alors, si on veut comprendre les guerres, comment y aider? Dans la vie moderne, mais ça l'est qu'il y a un côté
Donc, considération Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a plus d'importance. Il y en a beaucoup plus d'importance que ça. Parce que, pour vivre un bon ami ou la vie, nous visons pour les guerres. Mais pour vivre un bon ami dans l'akhirat, nous visons un léguer qui est rempli avec tawhid, avec ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, loin de man bid'a, loin de man haram, loin de man désobéissance, nous visons un léguer comme ça pour qui nous vivons un meilleur ami qui est dans l'akhirat. Et ça léguer là, que nous guettons, le Coran, le Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, une cause concernant, elle est qui est ce qui l'aiguille, elle est qui est ce qui c'est qui l'aiguille, elle est qui est ce qui tente, elle est qui est ce qui, hein, et en place, une cause concernant un être qui le calme, elle est qui est ce qui est une souplesse, elle est qui est ce qui est une gentillesse de sa légère. Que nous guettons, en gros, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pose concernant, et maintenant, soukoun, tranquillité, c'est qu'il y a un léguer à l'égalité. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose concernant tranquillité, tranquillité mondaine de la terre, tranquillité de Khabar, et tranquillité de l'Akhir. C'est un sacré délégué là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des bonnes avec nous. Quand nous vivons en cours dans les autres bannes, en place en cours, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause concernant le khashya et le khushur. Le khushur, c'est qui? C'est nous une concentration dans le salat. Le khashya, nous voulons appréhier pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça là qu'on dit aussi, ils sont dans le réguir. Et tant qu'il nous une plus, nous une personne, c'est qu'il y a tout dans le réguir. C'est pas si l'été est la plus seule qui ressentit, comment dire, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sur les cours au complet, moi, vous pouvez aller avec un exemple. Alors, quand nous faisons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de son hadith, dans l'information de la parole, il dit clairement, il dit, Inna Allah la yanduru ila. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas guide toute l'apparence. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas guide toute l'apparence. Wa amwalikum, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas guide toute l'existe. C'est pour récompenser, l'insan, pour donner-lui al-jannah. C'est pas sur couler à la peau, c'est pas sur beauté, c'est pas sur richesse, c'est pas sur forme, c'est qui est là. Si il y a un pourtant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qui est un pour ila qulubikum wa a'malikum. Mais c'est qui a un pourtant pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée de qulub. Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée de l'égir. Qui est un grâce à l'égir wa a'malikum, l'idée de l'action. Qui action de nous faire? De faire action pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. De faire action pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir à sa action là, je ne fais sa bonne action là. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit faire? Où ça se fait faire? Pour faire les autres du monde plaisir, pour faire les autres créatures plaisir, qui se réalisent à cause de ça, pour ça même, pour ça pour gagner le nez, pour gagner un rôle avec du monde, c'est à cause de ça qui fait sa bonne action là. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qu'il y en a de sa légère. Et ça, c'est bien important. C'est à cause même que nous guettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur parole. Et plusieurs fois, il va dans la main, quand vous venez lire un livre, je lui commence fort un hadith. Un hadith, l'imam al-Bukhari, il aussi lui commence fort un hadith. Et ce hadith, il ne m'a pas mal. Certainement, l'action est pour baser l'intention. Il n'a pas un mal ou il n'y a pas. Certainement, l'action est pour baser l'intention. Mais il n'a pas de coup de l'imri, il n'a pas. Et chaque personne qui pourrait récompenser par l'intention. Et l'intention, tu le connais quand tu trouves. Il trouve l'écrire.
l'intention du groupe de l'écrire. Quand il m'a eu la main, Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah, il a dit ça, hadith ça, c'est pas un hadith qui est considéré comme un tiers des dix de l'islam. Et n'a pas dit la moitié, n'a pas dit encore. Hein? Et montrez-nous l'importance de Niyya, et Niyya se passe de l'écrire. Combien du monde? Bien. رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث لا تجاه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله سيجي بالله هجرة لحكور صلى الله سبحانه وتعالى لحكور رسول الله صلى الله عليه وسلم تجازي في الانتتجاز في الانتتجاز فمن كفاف عن الدين دو دو مكة في الانتتجازين على المدينة قالوا سوء المفاصل ذي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيجي بالله هجرة à cause d'un madame, ou soit à cause pour marier, ou soit à cause d'une mien, alors sur récompense, c'est vrai, t'as l'intention qu'il est utile. Et dans ce moment, sallallahu alayhi wa sallam, les hommes à Khalid, madame sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant la personne, c'est qu'il faut être jugé en premier, yom al qiyama, la langue, et en trois qualités personnes. Si trois qualités personnes, c'était une personne qui fait lire le Coran. Il lit le Coran. Tout le monde qui trouve, tout le monde qui tente de lire le Coran, il lit le Coran bien, il explique le Coran bien, il est joli la voix. Il fait tout ça. Tout le monde qui pense, Masha'Allah, il fait lire le Coran bien. Déjà, quand il y a une deuxième personne, c'est celui qui est une partie de Jihad. Or, si tu as dit mal, il fait gain, shahada. Il dit, bon, le chemin à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit, et troisième, c'est une personne qui est dans l'argent, il a la richesse. Il est dépensé dans le chemin à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a aucun chemin qui est capable de dépenser pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, et c'est ce qu'il est dépensé. Et ta trois personnes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien un hadith al-Galo, qui ta trois personnes, je veux dire trois poèmes en meilleure action, c'est qu'il y a. Trois poèmes en meilleure action. Et tu vois, tu trouves un des mashallah, le Coran, un des tel Coran, bien là, l'impossible de jihad, un des l'impossible de jihad, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne s'en a pas connu qu'il y a l'intégrité. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un vrai qiyama pour appeler les 50 personnes en premier. Pour faire un rappel par l'air avant tout. Par l'air qui se fait gagner. Pas tout le monde qui a l'occasion pour être de l'Israël. Pas tout le monde qui fait gagner une jolie d'avoir. Pas tout le monde qui fait gagner une connaissance. Pas tout le monde qui fait gagner une connaissance. Pas tout le monde qui fait gagner l'éloquence d'abondance à connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire cette personne-là, reconnaît cette parole-là. Et celui qui gagne l'argent, la richesse, pour faire reconnaît cette parole-là. Alors ça, cette personne-là, je vous dis, oh Allah subhanahu wa ta'ala, oui, nous reconnaissons cette parole-là. Et nous devons faire quelle action, nous devons dire pour un couteau, une bordance connaissance, à cause de toi, nous devons partir de l'Iran, à cause de toi, nous devons donner l'argent à un pauvre, un petit en besoin, à cause de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, devant tout ma créature, tout l'infant, depuis Adam alayhi salatu wa salam, jusqu'à dernier qui peut vivre, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit avec sa même personne-là, dans l'assemblée-là, qu'un acte, comme une grosse mentie, comme une grosse mentie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand il y a une guerre, il y a une guerre, il y a une guerre, la guerre dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui m'a dit, on se dit à toi d'être courageux. Donc, il dit, c'est comme ça que je peux le dire. Quand on dit le Coran, tu dis pas dans ta connaissance, pour que tu me dises que ça c'est un qari, c'est un alim. Et tu me dis, tu as besoin de dépenser dans ce temps Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu me dises, tu aimes ton voir, être généreux. Et tu me dis, à ta parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on donne, maintenant,
فأمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. الله سبحانه وتعالى pour qu'on donne maintenant, pour prendre, pour risquer, pour craindre le suffisir, pas dans Jahannam. Pas dans Jahannam. Avant votre Jahannam, fait craindre le suffisir. Parce qu'il y a des gens qui reconnaissent toi. Qui font toujours, je fais tes bons actions, je fais tes bons actions, je fais tes bons actions. Mais c'est qui tient dans les guerres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, seul seul. Et cette humiliation, comment il était? Il commence par sa rythme, prenne l'illusion de dire, on peut le dire maintenant, on met dans l'enfer. Vous êtes mis, vous fouettez dans l'enfer. Sa qualité là, qui s'en a dame. Et normalement, sa hadith là, c'est qui nous déduit à Dieu, c'est qui sa 20 personnes là, c'est même qui mérite à la Jannah. C'est une personne qui va faire comme une chèvre, une personne qui va faire comme une bid'a. C'est une personne qui mérite à la jeune dans sinon. Si tu nous comportes, ça fait ce qu'il vient faire là avec chèvre pour vous vivre. C'est à cause d'une comme une chèvre, directement tu vas dans un jeune. Mais tu prends, 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 à cause les guerres, pas tu propres. À cause de les guerres, pas tu propres. Et qui humiliation la personne qui fait gagner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est à cause de la même personne islam. Un hadith pareil. Il interpelle nous. C'est à cause de la même conquête d'un ulama. Et après maintenant, on a dit, chaque livre, chaque chapitre, c'est qu'une personne qui peut écrire le livre. Chaque leçon, c'est qu'une personne qui peut faire. Il révise sur l'intention. Il révise sur l'intention d'un sahaba, d'un salaf, et ça vous prend quelque chose qui est plus dur pour nous. C'est pas du bout de tête à Hadjou d'un ami, c'est pas du dire ça. Et qui est plus dur pour nous, c'est dans l'intention là. Rôder dans l'intention là, empêcher pas de rentrer là-dedans. Empêcher nous faire dans quelque chose pour faire plaisir au Dieu Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un petit chose qui. Il crée l'important. Au sein même, le guet de l'autre hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait beaucoup de choses à l'écrire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit bien, Allah wa inna fil jasadi mudgha. Certainement, dans les mots de chaque personne, inna inna shia, idha salahat salahat al jasadu kullu. Et si ça la shia là, les mots, les mots là en entier les mots. Wa idha fatadatta, fatadat al jasadu kullu. Mais si ça a fait à la vie d'une gâtée, on tient les hauts du gâtée. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la wahid al-qalbi, il dit certainement c'est l'écrire. Et l'écrire insan, ou l'écrire ce qui est là, il est important de notre ibadet. Pareil comment nous comprenons qui nous l'écrire. Par exemple, une personne qui n'a pas arrivé, quand il y a un pire, celui qui est parti, et qui dit qu'il est lequel a validé, c'est parce qu'il, pour qu'il lui donne sa dépôt-là sur l'oxygène comme il dit. Pareil, quand une personne va le dégaloper, que lui va rien faire, il va faire des efforts en plus, pour qu'il sa dépôt-là, il contient l'existable, alors lequel a tombé plus vite. Pour qui, parce qu'il a du sang et un oxygène, c'est qu'il y a voyé. Alors, nous, ça a l'importance là. Alors, nous, ça met ça l'équerre là, comme il peut faire, et il va aller dans le subhanahu wa ta'ala, nous disons, développe. Après, dans l'ibadet, c'est qu'il nous fait. Donc, dans l'ibadet qu'il nous fait, nous développe ce qu'appelle un khushu'. Concentration. Nous sommes concentrés. C'est pour l'équerre, il reste, présent. Une personne, par exemple, khushu', c'est une certaine de tout ça. Il y a une personne qui dit qu'il y a un khushu' dans son âme. Et khushu' dans son âme, c'est une concentration, c'est qu'il doit nous l'écrire vivant dans son âme. Une personne, c'est qu'il veut faire son âme, il veut être en haut, il veut monter à dérouler, il veut être poche, il veut être de côté, il veut penser, demain qu'il travaille, il veut faire des activités. C'est une personne, c'est qu'il veut faire son âme, mais seulement sur l'écrire. Sur l'écrire, pas là. Non, il y a sur l'esprit, pas là. C'est ça l'équerre, il va faire des vies. À cause de ça même,
d'insolence, qu'on mantenir concernant Jannah, concernant Jahannam. Ouais, quand le solan est traversé, c'est lui qui fait régler sa dunya là. Alors, ce qui est là, Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître les autres dans le Coran, comme que sur un voile, il est dans son épaule. Parce qu'il fait sentir, il fait comprendre. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, je dis à l'effet l'autre. Il dit que c'est lui qui veut dire pas aussi, c'est les autres côtés, pas plus grand compte. Imaginez, on se met qui est là, mais imaginez, il y a qui dit qu'il a pas fait, il oublie, il y a quelque chose, il va commencer à aller à la case, il blanc, il y a dans l'air. Et sur la table à Paris. C'est comme ça, l'éclair, il passe une présence dans son âme. Il fait ce soir-là. Je ne peux pas dire ce soir-là pas compter. Ce soir-là compter. Maintenant, ce l'été, il va parler. Ce l'été, il va parler, qui vient, tout ça, là, les vidéos, ça l'éclair. Il va dire ce qu'il fait. Qui nous fait faire salat avec bonne intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, pénancer, pénaria, pénanonie. Mais pour qui ça, il va en être ligué et plus beaucoup aller encore, c'est pour dire qu'il est l'éclairant. Et l'éclair, c'est qu'il rage. Et l'éclair, c'est qu'il est humilié pour Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, une personne peut lui faire une balette. Une balette, il n'a plus d'aller. C'est nous-mêmes qui nous ressentions une fois qu'on peut faire une ibadat avec l'éclair. Pareil qu'on nous dit. Hein? Et faire travailler avec l'éclair. Pas faire l'éclair, pas faire travailler là-haut, là-haut. Ça c'est normal, c'est ce que je veux dire. Par exemple, à leur congé, j'ai la même un parent qui dit à ses enfants, mais nettoie la caméra. Et puis nettoyer là-haut, là-haut, les affaires. Donc, là, c'est qui, non? C'est qui nous dit à l'autre, c'est qui c'est tellement maintien. Faire l'ouvrage avec l'équerre, avec contentement, bien l'ouvrage, contentement retrouvé, l'amour retrouvé, c'est dans l'équerre. Et de façon qu'il est ouvert, il est ouvert pour qu'on vit bien. Pareil que moi, ma Roméo, Juliette, qui nous ferme. Quand il a ouvert une petite chose, vous êtes Juliette. Il a ouvert une petite chose, vous êtes Roméo, qui nous ferme. Vous verrez pareil quand il fait vous se serre. Vous verrez pareil quand il fait vous se faire. Non. Si ça, c'est bien qu'un seul équerre. Alors, si sur les pieds, il y a des travaux, il y a des corrects. Alors, pour nous aussi, dans nos ibadets, pour que nos ibadets qui arrivent dans l'autre degré, premier niyat important. Deuxième, c'est ce qu'on peut faire, soit un ibadet que vous faites avec un léger, ce que vous faites pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous faites avec un amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand nous faisons l'ibadat avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala libre pour nous en plus. Et ça, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Nous ne sommes pas venus nous dire, oui, vous comptez pas, vous comptez pas, vous comptez pas. Nous vous dites très bien comme Alhamdulillah, nous parlons des dames. Mais nous voulons demander qu'il y ait un peu de temps. Il y a un petit rassaut, pas mal de temps, un petit rassaut. Mais tellement, tu vas mettre seulement dans le prophète en pratique. Nous n'oublions pas un petit rassaut qui est bon. Nous ne devons pratiquer seulement. C'est la vérité. Mais concernant les autres ibadets aussi, il y a une petite chose qui est importante. Rassaut, ça va dans la ligne, ça va dans le problème. Un exemple, c'est qui est là. Un acteur qui se veut dire, par exemple, le robot, il dit, خشع عليك سمعي وبصري ومخي وعظامي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوع يجبدي هو الله سبحانه وتعالى هو لوي يعني يكودي وبصري ونيجي ومخي ونفيري وعظامي وبنى لسو سيقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خشع لك لبيت كميلي بطوة انتي مكريسة بطوة والله سبحانه وتعالى Mais comment vous pouvez-vous ressentir cette chose-là, par exemple, comme dans cette dame, vous pouvez dire Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la dans ce jour dans le musée. Mais quand vous pouvez faire une barrière, vous pouvez faire cela avec les pieds, vous pouvez réaliser que vous pouvez dire tout pureté, la pandémie à toi ou Allah subhanahu wa ta'ala, al-A'la, le plus haut. Et moi, ils sont les plus honorables pour moi, dans mon égo, pour la tête, pour venir, pour venir prospérer ça, place plus bas, place pour m'avancer avec mon pied, pour venir mettre ça dans la terre, pour toi, honorable, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous pouvez comprendre cette chose-là, c'est à ce moment-là qui va bien sur Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Zubal Hadith, lui dire, c'est lui, c'est lui qui compte en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, ben, ben, l'action, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui compte en c'est. Une personne, il a possible, ça, c'est quoi faire? 90 jours, il perd beaucoup. Beaucoup de cette salle, beaucoup de cette salle, il y a beaucoup de salle. C'est dans le salat, c'est à ce moment-là qu'une personne, il vous développe son amour pour le salat là. Pas qu'il s'en pas salat, il dit qu'il va payer les noms. Mais lui, ce grand salat aussi, il y a même qu'il vous trouve. L'amour pour les dégoûter de la nuit, pour les casser ce sommeil, les dégoûter. Les faire ta hadjoun pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la journée, il y a l'occasion de faire salam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il était pas dans la ville. C'est quand? Quand il faut venir à cette chose-là, c'est quand ça l'est et est là, il fait plus de lumière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc, un, on se lève, elle l'est, c'est qu'il part en Dieu. Elle les guère comme une dire, elle les guère c'est qu'il nous, elle les guère les milliers. Dis-moi pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la vie à l'Ilalina, Amen ou un tachcha'a pour l'eau, il dit que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à l'esti, le moment par qui arrivé, pour qu'il m'a dit qu'il n'a même pas pour qu'il se l'éguère, pour qu'il se l'éguère. Les gars, elle a frayé, elle est humiliée pour Allah subhanahu wa ta'ala, les dégrégrants, ou la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, mais l'iman, l'iman, il suffit, laisse ça l'iman là. Perfectionne ça l'iman là, plus meilleur, fais à ta légère âme, même ressenti. Ressenti Allah subhanahu wa ta'ala, ressenti ma faveur, ressenti ma nafe. Tu peux faire ça, tu vas pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق إبتيا إذا في الدسانة عمزوت بعد كنا بريكي في القرآن في الدسان لذا القرآن في القرآن وقد شفت إسألك الله سبحانه وتعالى ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم الله سبحانه وتعالى إيه زبعين كما بان c'est qu'il vient gagner lui avant eux, un juif et un chrétien, les autres un peuple. Qui vient arriver maintenant? Maintenant, je te fais trouver avec les temps qui me traversaient, je te les dire et les dire. Avec les temps qui me traversaient, je viens te dire, les dire, la Torah, je viens gagner, qui est là? Je viens comprendre, je viens lire là-haut, là-haut, comment je viens pratiquer là-haut, là-haut? Parce qu'elle est qui est, c'est qui est caché. Parce qu'elle est l'église, c'est qu'il est humilié bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui n'arrive pas maintenant? Je déguerre une dire si. Je déguerre une dure. Ou à quel dire, on met nos pas de bon. Et beaucoup parmi eux, ils ne viennent pas de bon. Beaucoup parmi eux, ils ne viennent pas de bon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous, qu'elle nous comprend à travers le Coran, c'est que nous, on va le Coran. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبين من القرآن فليس فقرآننا لذا يبني إلى أولاه إنه لكي يبني نجير نلكي يبني نجير سي جو أبري جو
Mais comment tu comprends, non, maman pas d'orchestre, maman pas d'orbida, maman pour faire 5 fois sur la encore jour, maman peut mettre son nom en pratique. Mais c'est moi qui lui fais venir. Il veut venir 6 pour moi, ma routine de la vie. Il veut venir ma ada. Au lieu qu'il y ait ibada, il veut venir ada, il veut venir routine de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas fait ça. Sinon, dit manji, man chrétien, de bim, dit man passer pas. Alors, sinon, c'est aussi ce que vous ne pensez pas. Alors, ça va être un Coran, vraiment, il y a un pire. Vraiment, ça va être un Coran, il y a un pire. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit « Ma kana bayna islamina wa bayna an'udibna bihadi l'aya illa arba'isim. » Abdullah ibn Mas'ud, il dit « Ta aya Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire que il est mauvais. » Il est fini, comment dire, avant le Sahara, mais il est juste fini chaud. Parce qu'il dit, Allah, le Sahara, vous savez que c'est là, quand il y a un iman. C'est pas le Sahara. Il dit, depuis qu'il nous a accepté l'islam, le commencement de l'islam, jusqu'à sa ayata fin de temps, c'est jusqu'à ce qu'on allait vivre avec. Jusqu'à 4 ans, on s'est assombri. Ayat pour un an fin de temps, plus qu'il y a 14 ans, plus qu'il y a 14 ans, on s'est banalé. Si on ajoute 10 ans, encore 13 ans, encore avant, 1450 dans l'année, ça porte un an, il fait des années. Alors, l'identité, nous l'ai dit à Pinantier aussi. Pensez à Abou Bakr, je vais lire le Coran, Aïcha, je vais dire, oh, Rasulullah, pas mes 50 imams, de mes 50 imams, vous pouvez explorer, les. Pourquoi vous êtes capable de faire ça? Donc, ce qui fait, Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Dhabi ibn Abi Tuhafa, et je vais lire le Coran. Et je vais pleurer. Et pleurer, c'est pas un gros pleurer. Abu Bakr radiallahu anhu, je vais pleurer. Il m'a dit, quand je vais lire Ayat, Jannah, Jahannam, il m'a dit cela. Donc, tout Ayat Coran, Abu Bakr radiallahu anhu, je vais pleurer. Qui pensait nous l'homme, oui. Qui pensait nous l'aigner et l'église prédicée, quand nous lire le Coran à son dit. Alors, c'est ma question, c'est qui? Et qui est important pour nous, nous-mêmes, pour qui nous rapproche, nous. Certainement, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas, c'est impossible. Pas pour arriver. Mais tellement, nous voulons travailler, faire une balade avec l'amour, avec contentement, avec la légère, là. C'est à ce moment-là qu'il faut faire Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les guerres du Kouinan, du Kouinan des Fils. Al-Hassan al-Basri, Rahimahullah, dit Yabna Adam, ou Bansofa Adam, il a reçu sa langue et Shaykhman, et Rafiha. Shaykhman divin, il fait souvent sur sa petite tombe dans cette intérieure, tomber à cette faute. Alors, il dit Après pour Inda Dalika, ma Hamalaka, Allah, ou Mikitabi. Alors, rappelle qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait bien pour toi, c'est tout le monde. C'est de toi, ô insan, que tu es d'accord pour ça. Et c'est qui le mima la hamalatu al-jibal al-rawati la khaja'at wa tasa'adda wa tasa'adda. Si montagne qui s'envoie ça, montagne qui vous humilie, montagne qui vous crase, qui est ça? Répondez à le Coran, il veut dire. لكي تبقى تنظر الله سبحانه وتعالى يجد القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله سبحانه وتعالى سيسع قرآن تبسان لومتان تبسان لومتان كي متغوصا مودعنا كمي يلمم يعسيز ولمم لكرازة ورافغيه الله سبحانه وتعالى Une montagne, c'est qui vit, une montagne, c'est qui qu'on nous tire une grosse salope qui compte les difficiles et les difficiles. Une montagne qui compte les grands et les grands. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, ça cause une montagne. Ça cause une montagne. Mais des causes pour sa montagne en général, tout montagne qui existe, soit à l'adresse au Kilimanjaro, soit aux montagnes, les pousses, puis d'abord, tout ce qui existe en tient le monde. Mais nous, insan, nous les sauriez sa Coran. Nous les sauriez sa Coran. C'est un grand faveur.
mais on sent qu'il y a une valeur, mais qui quand on dit nous, c'est pour en avoir des utilités, le mot est l'amnal ou l'amnal ou l'amnal لعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى كان يقول كما ديزون باكيتير افاك الانسان لي رياليزي افاك الانسان لي بونسي لولا اذا قلت ان ريمون اذا سي ميراك سيكينا ميراك كاتيب الله سبحانه وتعالى كومي ايا قران دو ديزون باسي ديزون لي Mais à chaque fois, il y a un peu comme lui, il trouve sa petite chose, il y a un coup, une petite chose en plus, hop, en nous. Mais, ma compagnie, à travers, à la Coran, à travers les autres, les hadiths, les gens, à travers les Sahaba, je vais l'expliquer. Et la Coran, il n'a pas même signification, même traduction de lien, mais, que nous répondions, il nous répondait après, comme si j'avais une signification. J'avais une signification, cette chose. Mais c'est, comme vous gagnez, ça m'a une information là. Comme vous gagnez sa quantité, conviction là, sa quantité, l'amour là, c'est si serait comme des meilleures actions dans un autre, avec les guerres, pour faire Allah subhanahu avec Allah wa ta'ala, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. De même ça, Allah subhanahu wa ta'ala, les autres places à mon côté, les dieux de Quran, wa waïlou lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, waïlou, destruction, manière. L'Oman, c'est qui? J'ai les pires, c'est des durs. Je ne pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est pensé, c'est qu'on sera ibadat, c'est salat. Tous les jours de sonner. Et celui qui va me faire salat de sonner, c'est un celui qui se les pires, qui bosse, se les pires, qui est dur. Et celui qui lit par défense à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lit du seul, qui mérite ibadat. Pour pas qu'il y ait un ibadat, un autre, qui dit imam, qui dit kousari, qui dit kabar, qui dit wali, qui peut avoir qui était. Pour pas qu'il y ait un professeur ibadat. C'est lui qui veut faire ibadat. Quand nous avons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne, c'est qui se l'écrit un mot, se l'écrit, elle l'écrit, c'est qui, infinie coriaté, elle l'écrit, c'est qui, dur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à maner, à description de ce qu'il y a là. Oulaïka fi dolari moubin, sabana seban, c'est qui? Je dors, en l'éclairement, c'est qui crée. Allahu nanzala ahsan al-hadith, kitaban mutashabihan mathaniyan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait descend. Ahsan al-hadith, meilleure parole, le Coran, un livre, c'est qui là? C'est qui ressemblait du don. تقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم. إيه؟ فمن ما جاهدي؟ زد لحبوب. زد لحبوب. ويا زد لحبوب. لذي قال زد من قول الله سبحانه وتعالى من تجبي الله سبحانه وتعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مي فزد en gros, en arrière, c'est que je t'écoutais. Depuis sa Coran, les autres mandats, je te les dis, il y a une tranquillité. Je te la cours, il révine normal. Il y a un prière, il y a un pire, la peau est levée, elle voit lever. Après ça, c'est même la folie. L'idée, c'est cette tranquillité. Avec le vitam des autres mandats, il y a un Coran, au sein d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rapport, Allah subhanahu wa ta'ala, le rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonné. La question qui fait ça sur la courbe, c'est là, il t'a dit Allah, il t'a dit, il m'a dit, ça c'est la guidance, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, c'est lui qui voulait, on a une autre illa ou pas mal ou min hâti, c'est lui qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, il vit égaré, il n'a pas eu ce qui est dit. Et si Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il dit, c'est lui qui voulait. Et il dit, c'est lui qui voulait. Ce n'est pas besoin d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par contre un tel nom. Nous répondons au hadith qui nous dit c'est le premier. Allah subhanahu wa ta'ala par les guettes par les guettes par les guettes ou figures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il connaît qui est dans sa légère. Allah subhanahu wa ta'ala il donne la guidance pour celui qui se réfère propre. C'est lui qui vraiment pérote la guidance. Et c'est lui qui dit que je vais sauver avec la guidance. C'est lui qui fait cacher la vérité. Pas besoin d'accepter la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala connaît qu'il y a de son équerre. Allah subhanahu wa ta'ala égore lui, bah, dans l'eau, c'est qu'il y a. D'autres, ça, tout le monde a son équerre. Et
Bon, il va se faire son pauvre bien, pour son. Pour qui? Le ciel de l'église bien. C'est comme que fait le Dora. Il va aller se faire le Dora. Pourquoi j'ai voulu faire quoi? Il a dit que nous faisons, c'est parti à la fin de la main, c'est une main qui a deux, oh tout, amin, amin, amin. Qui m'a dit Dieu? Pas un moment. Tous les jours de l'église, même sa mère, qui était? Il va bien comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, ce rasoul, il y a un hadith, Ud'u'llaha wa antum mu'minuna bil ijaba. فيها عبادتك الله سبحانه وتعالى إما الضرع بك الله سبحانه وتعالى إي مومون سجان إي إينا لا كونفكشو وفي فيها بقى هو الله ستولي تدود موسى هو الله ستولي تدود موان بجنة سبحانه وتعالى نو وفي ذلك يتدو على هو الله ستولي تدود موسى نو demandez avec yakin, demandez avec conviction, avec certitude, demandez que Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos droits. C'est sa façon-là qu'il nous a demandé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin khatirin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté du'a d'une personne qui vivait en celui qui est ghafil, en celui qui dort en l'insouciance, n'a pas fait comprendre. Imam dit Amin, Amin, Amin. Là, il est le qui est existé. Ce qui n'est pas plus en cours, pas plus connu qu'il n'y a pas. Allah subhanahu wa ta'ala participe à l'endroit. Nous, quand il vient d'Ara, avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous nous viennez, l'autre à la pierre, d'Akaba et d'Akhira, nous viennent de voir avec Yatim. Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez, avec Yatim, oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi Jannat. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi Jannat. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je demande, est-ce que je dors à l'A'la? Quand je demande, pas dit, c'est un Jannat, demande, est-ce que je dors à l'A'la? Est-ce que je dors à l'A'la? Est-ce que je dors à l'A'la? Qu'est-ce que je dis à l'A'la? Donc, si est-ce qu'on dit que ce soit, si est-ce qu'on dit que ce soit, oh Allah, tu peux répondre pour tes soins, pour t'en faire pour tes soins. Ou Allah, si capable, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Ça, c'est pas la papille. Tu as droit à des convictions. Tu as droit à ce qui nous fait comprendre, qui nous fait demander, qui nous fait dire. Et définitivement, une personne, quand il fait le droit, il connaît qu'il fait dire, il connaît qu'il fait demander. C'est à ce moment-là même que sa personne n'a son ribalette licencée. Sa droit-là licencée divine est l'autre qualité de droit. C'est qu'il prend lui-même. Et vous trouvez qu'il fait. Et vous trouvez qu'il est interdit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous trouvez qu'il soit lent pour couler par lui-même. Et vous trouvez qu'il vous répète sa parole à plusieurs reprises. Et tout ça, c'est un sonnant, c'est qu'il y en a de Allah. C'est un sonnant, c'est qu'il y en a de Allah. Et vous connaissez pas, nous commençons par faire. Et l'ose Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pour nous, nous demande pour la famille, nous demande pour sa dunya, nous demande akhira, nous avons été amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous demande des fois, trois fois, nous servis, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbou, ya Rabbar, ya Razif, nous servis ça maintenant là, mais quand vous faites ça, c'est pour ça qu'il fallait bien là, présent à ce moment-là, il me demande, c'est à cause ça même, et n'importe quoi. Il n'a pas y arrivé. Nous aussi, la deuxième étude, donc qui fait longueur dans la route, c'est une chose qui n'est pas correcte. Une chose qui n'est pas correcte. Mais une fois, vraiment, quand on demander, oubliez de mourir. Oubliez le problème, c'est bien là. Si tant, vous me concentrez dans le temps là, vous pensez que vous faites faute, mais seulement après, là, il y a une vente. Vous dites, voilà, dans l'autre, demi-attendez-vous. Tu vas 45 minutes, par l'autre, il va aller. C'est une question, c'est qui? Il va dire, par l'esprit qui veut faire ça. Mais il n'a pas qu'on fait faire ça, on peut faire ça, on vient rendre le droit là, on vient vivre dans une position qui nous devine, on va dire, un mangeant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est un meilleur mangeant ça. On demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, on peut demander à travers ce maintenant, on peut plaigner, on peut pleurer, on peut demander des fois.
moi le hadith était au pari, mais alors par les tout pour les temps. Mais malgré ça, nous dire qu'il n'y a pas une raison pour qu'il nous fasse, pour qu'il nous fasse l'ombre. Et s'il arrivait, il arrivait comme ça. Par exemple, même quand les gens perdent, les gens arrivaient, justement, les individus, c'est qui ont dit au contrôle, ne pas perdre fort et compris. Et là, ben, il y a une passe à la pièce, à cause de l'ombre. Mais les individus, c'est qui fort et compris qui réalise, qui arrivait comme ça. Mais ça, les comme ça qu'il finit, il finit arriver. Et tant que possible, nous essayons de faire ben, voilà, ce qui coûte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, doit que je lui demande au pauvre, je lui dis, Allahumma inni a'oudhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, protection avec toi contre ma connaissance qui n'est pas profitable. Conseiller de dire, wa min qalbin la yakhsha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, protection avec toi contre l'église qui vient à Khushur. Un léguer, c'est qui va te battre en boulot, pour dire que c'est pour l'en cacher la ligne. Vous dites, protection avec toi, ce moyen-là, c'est qu'il y a des pieds là. Vous n'avez pas fait compte, vous n'avez pas fait trouver, vous n'avez pas fait guider, vous n'avez pas fait réaliser ma question, c'est que vous avez passé devant moi. Vous n'avez pas fait compte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se peut faire ce qu'il dit par Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa min nafsin la tashba', et avec un nafs, ce qui s'amène dit, ça m'est suffit. Ça m'est suffit, c'est-à-dire ici, un nafs, on s'en a mangé quoi, lui donne une seconde, il mangeait quoi, on s'en a donné un petit chose avec les gars, ça m'est pour assez, il redonne en gros, wa min da'watin la yustajabu laha, et aussi la protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, compte ban d'un qui n'est pas acceptable. Alors ça, c'est ban qui sont pour s'en aider. Et comme dit, une personne que l'inter, il va en être pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour. C'est lié la même qui, c'est une personne dans le gain, Allah subhanahu wa ta'ala, je rassure Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous connaissons cette personne-là, nous gagnons un grand récompense. Par exemple, ça peut être une idée de Allah ou de l'Ethéli, comme à la zéle, la ville de la cette qualité de personne qui, donc dans l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour qui va pouvoir aucun ombrage, excepté l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi la dame, il y a un rajul qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Une personne qui se l'éclaire et attaché avec masjid. Elle compte dans masjid, il compte dans masjid, il compte dans reste dans masjid, il compte dans faire une badette dans masjid, il compte dans vite dans masjid pour lire pour un, pour faire salat, pour faire. Tout le monde est dans ma tête. C'est l'amour, c'est qu'il y a là. Quand l'église est attaché avec l'ibadette d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ici avec ma tête. Mais il y a place pour la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est qui va faire les deux qui des personnes. Mais personne n'est que sur l'église est attaché, et aller à l'hôpital, par exemple, devant le moule. Ma bagatelle, il était dans la croisette, il était dans l'arbre tout le temps là-bas, et lui, il s'est arrêté dans la matinée, tantôt, si c'est un football, qui va l'autre affaire, qui va devant sur la télévision, l'autre là, devant sur la série, l'autre petite chose, c'est même personne, c'est juste l'église qui attache avec l'autre petite chose. Mais c'est l'église qui attache avec l'ibadet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici avec ma tête, dites qu'il va faire, et ça joue là, pour nous comprendre sa faveur là. Sachant la yom al qiyama devant le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous connaître qu'il soleil, il faut consister avec une personne. C'est quand même, disons, tu transpirais une qualité, ça joue ou non, c'est qu'il y a un coup de transpiration par lui, au lieu de chez lui, et une transpiration par lui, au lieu de chez nous, et une au lieu de terrain, et une c'est qu'il faut noyer par lui, au lieu de l'oreille. Ça joue ou non, ça va ou non, et une certaine personne qui tombe en bas. لينا على فرصي الله سبحانه وتعالى كما الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله من فينا من إيمان إذن لكي في كان قوم لكي أذكر الله سبحانه وتعالى
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Certainement, c'est vivre avec la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair, il y a une tranquillité. Stress, solution pour le stress, pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Vivre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, stress, condition à l'époque. Et que nous guide dans plusieurs hadiths en cours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un doigt qui se fait Allahumma, on s'en fait le boulot, 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 Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui guide dans les dialogues, guide les guerres vers, dirige les guerres vers, et à l'obéissance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallib al qulub, thabbit qalbi ala dinik. Le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve dans Jami' al-Tirmidhi, un sénat de Hassan. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, il y a un autre nom ici, nous verrons sallallahu alayhi wa sallam, il y a un muqallib al-qulub, ou c'est lui qui bouge banna, banna, manikir, c'est tout manikir, qalba, il y a des bougies, muqallib al-qulub, il y a des gardes de l'équerra. Il vit dans l'obéissance, tout ça, dans les obéissances. C'est lui qui veut être libre pour l'islam, il va faire ton dos dans le cercle, dans le couple de main. Alors, c'est des mains avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa qualité, c'est qui est là, tabbit qalbi ala dini. Donne-moi les guerres, stabilité, l'eau, pour ton dîme. Alors, ça, c'est ma doa, c'est qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous profiter avec ses bénéficiaires, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous servir tous les guerres, alors, il va y avoir Allah subhanahu wa ta'ala, comme on veut ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de nous manier un mouvement à des obéissances qu'il veut faire, un haram qu'il veut faire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aide nous pouvoir imprimer les musulmans dans un des jours qui vont rester pour vivre sur la terre. Wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.